الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a réunis une fois de plus pour ce jour béni. Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Alhamdulillah, alhamdulillah, oui, Ibad Allah. Remercions notre Seigneur pour chaque seconde qu'il nous accorde sur cette terre, car de lui dépend notre vie. Nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes uniquement des atomes et des molécules liées les unes contre les autres et qui sont en mouvement sur cette terre, ce bas monde, et ce, grâce uniquement à lui, seul, la Shalikala. Et c'est aussi grâce à lui que nous vivons encore. Nous sommes des êtres vivants pour un tout petit temps déterminé. Alors que lui, c'est le vivant, Al-Hayyu. Alladhi la yamut, qui ne meurt pas. Éternel, abadi. Il est aussi Al-Qayyum. C'est celui qui subsiste par lui-même. Il se suffit à lui-même, se passe de toute sa création, se charge de tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, et ce sont eux qui ont besoin de lui. Allah, il dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, nulle divinité digne d'adoration si ce n'est lui, le vivant, le qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Ne le touche nulle somnolence ni sommeil. Et c'est lui qui insuffle la vie dans notre corps. De lui provient notre subsistance. C'est lui qui nous accorde notre bonne santé et vers lui nous retournerons. Effectivement, un jour ou l'autre, Allah nous fera mourir. La mahal. Nul échappatoire. C'est le destin de tout fils d'Adam. Et il nous donnera comme demeure les tombes. Et ce corps deviendra inanimé. Ses atomes et ses molécules se décomposeront sous terre. Seule notre âme goûtera soit aux délices de la tombe, soit au châtiment de la tombe. Peu seront heureux et beaucoup malheureux. Et il nous ressuscitera et recomposera les atomes et les molécules éparpillées de nos corps pour le jour du jugement, pour le jour des comptes, pour le jour ultime. قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا سورة القيامة verset 4. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts, Allah il est capable de nous reproduire notre empreinte digitale. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Surat al-Baqarah verset 28. Allah il a dit, comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre et enfin c'est à lui que vous retournerez. Sache Abdallah, sache serviteur d'Allah, que chaque souffle qu'Allah t'accorde, en vérité, c'est une occasion à ne pas rater. Mais on s'en rend pas compte. C'est une occasion de ne pas rater pour augmenter les actions qui pèseront sur ta balance le jour du jugement. C'est une occasion aussi pour te repentir si tu as fauté. Ou si par exemple, tu étais parmi les insouciants. Et qu'Allah n'était pas ta priorité ou que tu ne l'as pas adoré. Ou que tu ne l'aies adoré que très peu, ou encore que tu l'aies adoré, mais que tu lui aies mis des associés dans l'adoration. Et malheureusement, beaucoup sont dans ce cas-là. Alors c'est le moment. Oui, c'est le moment de revenir vers lui, vers ton Seigneur, en étant repentant, en regrettant le passé, et en ne désespérant pas de la miséricorde d'Allah. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, il est le pardonneur et le très miséricordieux. Comme nous n'avons pas souvent l'occasion de nous réunir, mes frères, mes sœurs, eh bien, je vais essayer de faire un peu plus rapide. Mais je vous promets pas que ça va... Enfin, je vais faire de mon mieux. Ibad Allah, nous sommes à une époque où tout va vite. Une époque où on se rend de plus en plus compte que tous les signes de la fin des temps se réalisent. Des signes qui ont été annoncés par notre prophète bien-aimé, sur lui la prière d'Allah et la paix. Cette époque où tout va de plus en plus vite a été mentionnée dans le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. في البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, selon un hadith rapporté par Abi Huraira dans Sahih al-Bukhari, le prophète a dit la taqumu as-sa'a, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que la science soit enlevée et jusqu'à ce que aussi les alaz, les tremblements de terre soient nombreux et jusqu'à ce que le temps se raccourcisse et aussi jusqu'à ce que les troubles apparaissent et aussi jusqu'à ce que le harj il apparaisse aussi. Qu'est-ce que c'est le hajj? Il l'a dit deux fois, le prophète sallam, il a dit al-qatl al-qatl, la tuerie. Wa hatta yakthura fikum al-mal fayafid. Et jusqu'à ce que l'argent devienne abondant entre vous et qu'il déborde. Tout s'accélère, ikhwat at-tawhid. Et donc les frères et sœurs, sachez que la guerre contre Iblis et ses alliés continue toujours et qu'elle finira bientôt. Elle a commencé avec Iblis et notre prophète Adam alayhi salam, et elle continuera jusqu'à ce que Dajjal soit combattu, ainsi que Ya'juj wa Ma'juj, par la grâce d'Allah. Ensuite, l'heure se lèvera sur les pires créatures qui ne seront plus récupérables. Parce que ça y est, Allah il aura envoyé tout le monde. Il aura envoyé le Mahdi, il aura envoyé Isa ibn Maryam, le dernier des prophètes Mohammadi. Il est arrivé depuis des siècles. Mais malgré ça, il y a des gens qui, malgré tous ces signes-là, continueront à ne pas croire, et l'heure se lèvera sur eux. Qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens-là. Cette longue lutte, c'est la lutte entre le vrai et le faux. Sira'un bayna al-haqq wal-batil. Une lutte entre la vérité et le mensonge. Une lutte entre le parti d'Allah et le parti du plus grand des tawarites, le tarout Iblis. Oui, Iblis et ses partisans vont combattre automatiquement les alliés d'Allah. Parmi ses partisans, il y en a qui l'adorent. Et ce sont les pires. Et aujourd'hui, nous voyons que les pires commandent sur terre. D'autres le suivent simplement, mais prennent son camp, sans s'en rendre compte. Et d'autres combattent dans sa voie, sans s'en rendre compte aussi, mais le pire, c'est qu'ils pensent être dans le droit chemin. Tous ceux-là sont le parti d'Iblis. قال الله تعالى هل أنبئكم عن بالأخسرين أعمالا. Allah il a dit quoi sur la Al-Kahf, verset 103 à 105? Il a dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Les croyants
Allah il a dit les croyants combattent dans sourate An-Nisa verset 76, les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien combattez les alliés du diable car la ruse du diable est certes faible. Concernant le parti d'Allah, eh bien le diable il va essayer de les détourner. Il va essayer de détourner qui? Le parti adverse bien sûr, le parti d'Allah. Le shaitan va s'occuper plus des mouahidines que des autres, les mouchriquines. Car les mouchriquines et les kafirines, il les a dans leur poche. Il les a dans leur possession. Il va juste se contenter de les garder là où ils sont. Il va faire en sorte qu'ils fréquentent toujours les mêmes, leurs mêmes amis égarés, leurs mêmes imams, et faire en sorte qu'ils ne les quittent jamais pour la recherche de la vérité. Illa man rahim Allah, sauf celui qu'Allah fera miséricorde. Et il va faire en sorte qu'ils se rassurent. Ils vont se rassurer en fait. Ils vont se rassurer avec le grand nombre des suiveurs et qu'ils se rassurent avec leur lieu, entre parenthèses, qu'ils appellent mosquée. Où en réalité on empêche d'y proclamer la vérité. Et d'autres ruses pour les maintenir dans l'égarement et la mécréance. Mais contre les mouahidines, il va tout donner. Il va faire son maximum pour les changer de là où ils sont. De quitter les bonnes personnes pour les détourner vers les mauvaises. Parmi les ruses qu'il va employer, là on parle des mouahidines, il va ruser contre les mouahidines, il y a le fait de les faire tomber dans les choubouhettes, les ambiguïtés, afin de les sortir de la lumière de la guidance vers les ténèbres de la mécréance et de l'ignorance. Il y a aussi le fait qu'il va faire en sorte, ou du moins essayer, de les faire diverger entre eux, à cause du manque de science de certains. Parmi l'une de ces ruses qu'il utilise actuellement, Iblis aussi, il y a le fait de les faire tomber dans les choux. Il va faire en sorte que les gens s'entretuent. Ça l'arrange, ça, Iblis aussi. Comme les groupes qui prétendent le combat, etc. C'est sa grande ruse pour prendre les âmes des gens rapidement. Et on a vu que certains se sont fait avoir et avaient rejoint des groupes qui font passer le combat avant le tawhid et qui les ont trompés. Et pire, son but c'est qu'il s'égare et meure sur une mauvaise croyance. Parmi ces ruses encore, il y a le fait de faire tomber les mouahidines dans les péchés, qu'Allah nous en préserve. Les petits ainsi que les grands, qu'Allah nous en préserve. Il va les pousser à désobéir à Allah, jusqu'à faire tomber le serviteur dans le désespoir. Et qu'ils se disent, ah je ne suis pas bien, je suis mauvais. Et qu'ils se disent, comment tu vas me pardonner Allah après tout ce que j'ai fait, que j'ai commis. Ou le manquement que j'ai accumulé dans ton adoration. Ou il va se dire tout simplement, Allah ne va même pas me regarder. Voilà ce que Shaitan lui fera penser pour uniquement le faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Et qu'il se dise comme je suis mauvais, eh bien je ne fais plus d'efforts pour me réformer. Et il reste triste dans son mal, etc. Mais non, Abdallah. Non, il ne faut pas que tu te dises ça. Ça, Abdallah, c'est le Shaitan qui te parle comme ça. Allah peut te pardonner. Et il est le pardonneur tant que tu te réformes et que tu changes et que tu regrettes le passé et ne veux plus y revenir et que tu reviennes vers ton Créateur. Encore une fois, Ibad Allah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et concernant le parti du Tarout, les mouchriquines et mécréants, ils ne suivent que le doute. Ils suivent l'ambiguïté, quelque chose de pas sûr, quelque chose d'incertain. Ils te disent, ah, j'ai entendu que c'est un savant, je lui fais confiance. Comme les autres, entre parenthèses, on va pas être méchant, moutons qui lui font confiance, parce qu'ils suivent aveuglément. Qu'Allah les guide. Amen. Allah a dit... وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Sourate Al-An'am, verset 116. Allah il a dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture, c'est-à-dire le doute, et ne font que fabriquer des mensonges. Rares sont parmi eux ceux qui vont chercher la vérité sujet par sujet. Et le plus important, celui du tawhid, bien sûr. Très peu vont répéter cette invocation. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu.
Oh Allah, montre-nous la vérité véridique et fasse, et fasse en sorte qu'on puisse la suivre. Et fais en sorte qu'on puisse la suivre. Et montre-nous le faux, faux, qu'on le voit faux, et fasse qu'on puisse s'en écarter. Parmi les égarés, certains, appelons-les, pour pas être méchants, les pseudo-salafis, ils se prétendent à la salafia, mais ils n'ont rien à voir avec eux. Ils vont se rassurer en disant, nous on écoute les savants, parce qu'ils entendent un tel et un tel qui ont dit de lui c'est un savant, alors ils le prennent et ils le mettent en tête parmi ignorants ou carrément menteurs. Ils savent qu'il ment, mais ils le suivent quand même. Et ce, malgré tous les signes évidents que l'on observe jour après jour. Surtout dans les pays où, soi-disant, ils pensent qu'il y a l'élite des savants dans ces pays-là. On voit ce que leurs dirigeants font jour après jour. Et on voit comment la mécréance s'y accumule chaque jour, malgré ça, ils s'y attachent. Et ils s'y attachent jusqu'au dernier de leurs pseudo-savants. Et leur compréhension du tawhid reste floue à cause de plusieurs facteurs. La première cause, c'est que ces pseudo-imams n'enseignent pas la religion de vérité. Une autre cause, c'est que ces pseudo, c'est que eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui suivent ces imams-là, ne se fatiguent pas à chercher plus loin que le bout de leur nez. Ils ont entendu, ils ont vu que la masse des gens suit, alors ils suivent comme des moutons. La majorité. D'autres sont menés par les passions des anachides, et les montages de vidéos à la Hollywood, etc. Ils ont été élevés au film, ils suivent les films et les anachides. On comprendra de qui on parle. Et oui, souvenez-vous, nous avions parlé de ces groupes déviants qui font passer la mitraillette avant tout, avant le tawhid. Et je vous avais dit qu'ils s'autodétruiraient sans même réaliser le tawhid, et on les voit actuellement 3 ans après s'autodétruire, s'entretuer et s'accuser mutuellement de déviance, alors qu'ils devraient apprendre le véritable tawhid, le véritable monothéisme, et le mettre en pratique tous les deux. Et oui, peu de gens parlent de cette réalité, mais elle est bien présente. Et c'est malheureusement une grande fitna qui touche beaucoup et provoque tristesse et destruction, surtout dans les pays sous-développés. On voit ça en Afrique, etc., dans les pays arabes, etc. Car ces pseudo-imams ne parlent pas de ces sujets-là, car ils pensent que les clarifier va augmenter la perdition sur Terre. Au contraire, si tu expliques bien le tawhid aux gens, ils comprendront quel groupe est déviant et lequel est le groupe sauvé. Wallah, et si on se mettait à la place des nouveaux dans la religion ou des non-musulmans tout simplement, ils vont rien comprendre, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette religion, subhanallah. C'est le flou pour eux et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais le point commun de tous ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils suivent des choses douteuses et ils ne suivent pas la véritable science. Encore une fois, je vous rappelle le verset, ayyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Ils ne suivent que les conjectures et les doutes et ils ne font que fabriquer des mensonges. J'ai bientôt fini, quoi. Au contraire, le groupe sauvé, lui, se base sur la science, sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, avec la compréhension des salafs. Et ils croient ce que eux croyaient. Et ils mécroient au tarout comme les tabi'in, les compagnons et les prophètes mécroyaient au tarout. Allah a dit, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Surat Yusuf, verset 108. Dit, ceci est mon chemin, j'invite Allah sur la base d'une preuve évidente. Moi et ceux qui me suivent font de même, qu'Allah soit glorifié, et je ne fais pas partie des polythéistes. Et la vérité, elle est claire comme de l'eau, mes frères. Les véritables savants, Allah a fait en sorte que leur nom soit connu et les gens s'en rappellent. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, par Allah, nous sommes sur la vérité. Mais les véridiques seront peu au début de la fin. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. Hadith rapporté par Muslim min Abi Huraira. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit quoi? Il a dit l'islam a commencé étrange et il reviendra étrange.
Bienheureux sont les étrangers. Il y en aura beaucoup sur l'égarement et une minorité de gens sur la vérité. Mais Allah a dit: Wal asr, inna l'insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah il a dit quoi? Par le temps, l'être humain il est perdu, il est en perdition. Sauf ceux qui ont cru. Alladhina amanu wa amilu s-salihat, et ceux qui ont fait les bonnes actions, et ceux qui se sont rappelés la vérité, et ceux qui ont patienté pour cette vérité. Donc mes frères et mes sœurs, je vous pose la question, quelle est cette vérité? Cette vérité, eh bien c'est la vérité du tawhid. C'est celle de la religion de vérité, de la religion de vérité. C'est celle de la, c'est la religion de tous les prophètes. C'est cette vérité-là. C'est celle de la milla, millatus salim, al-hanafiyya. Allah, il a dit quoi? Surat An-Nahl, verset 123. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Et ensuite nous t'avons révélé que tu suives la milla de Ibrahim, la voie de Ibrahim, qui était hanif et qui n'était pas parmi les mushrikin. Mes frères, les solutions pour ne pas tomber sombrer dans le parti du diable, et je m'arrêterai dans pas longtemps, c'est de s'encourager mutuellement. S'encourager ensemble, se côtoyer, même si nous n'avons pas encore de mosquée. Et il y a des solutions à cela. Se réunir de temps en temps, par exemple, de temps à autre, chez des frères, comme le faisait le prophète Sassim Fidar al-Arkam, dans les débuts de l'islam. Le prophète Sassim, il n'avait pas de mosquée. Pendant 13 ans, il a fait da'wah tawhid, il n'avait pas de mosquée à la Mecque. Et malgré ça, il se réunissait. On peut se réunir aussi sur les réseaux sociaux. Car c'est un outil qui, si il est bien utilisé, il peut nous aider beaucoup. On a des canaux, on a des groupes, donc on a ces réseaux sociaux, et certains frères sont actifs, alhamdoulilah, et d'autres malheureusement, ben ils sont inactifs, on ne les voit pas, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire. Qu'Allah nous guide et les guide. Des fois tu peux juste partager un petit rappel, ça prend 2 secondes, et tu peux acquérir une récompense énorme. Ou être la cause carrément de la guidance d'une personne. Tu sais pas, Allah yahdiya rajulan aw imra'atan. Tu partages un seul hadith, il t'a plu, il t'a touché, tu le partages dans un groupe social, et peut-être qu'une personne, elle l'entend, subhanallah, il va se repentir, il va se soumettre à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna dala على الخير كفاعله. Celui qui montre un bien, c'est comme celui qui le fait. Et il a dit aussi à Ali ibn Abi Talib, il lui a dit à Ali: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Et c'est un hadith متفق عليه. Le prophète Sansemil a dit à Ali: par Allah, si Allah il fait en sorte qu'il guide par ta cause un seul homme, par ta cause, par ton sabab, tu lui as parlé l'islam et Allah il a guidé, eh bien c'est meilleur pour toi que la richesse des chamels rouges. Et les chamels rouges à l'époque c'était considéré comme les plus grandes richesses. عباد الله قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يلا ديكوا في سورة الكهف verset 28: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier.
Oui, Abdallah. Oui, Ahmet Allah. C'est la fin du Ramadan, certes. Mais ça ne doit pas être la fin de tes efforts. Si ta foi est montée pendant ce mois béni, alors fais en sorte qu'elle reste constante. Ou encore, qu'elle monte encore plus que pour le, et de sorte que le Ramadan prochain, l'année suivante, tu aies évolué. Si Allah nous donne la vie jusque-là. Que tu aies évolué vers Allah et non l'inverse. Et remets-toi en question souvent. Et n'oublie pas que tu mènes une guerre avec Iblis et ses alliés et qu'ils seront constamment autour de toi pour te faire tomber dans leur camp. C'est une guerre interne en toi-même, contre tes passions, contre ton nefs, contre ton âme incitatrice au mal, contre ton qarin. Nous sommes tous concernés et la lutte ne cessera pas jusqu'à ce que notre dernier souffle soit inspiré ou expiré. Et ta meilleure arme pour cette guerre impitoyable, c'est quoi? C'est quoi notre meilleure arme qu'on a, ikhwa? C'est l'évocation d'Allah. C'est le fait de te rappeler d'Allah, suivi de l'invocation d'Allah. Tu évoques Allah, puis tu l'invoques. Tu te rappelles d'Allah, puis tu l'invoques. Invoque ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Confie-toi à ton Seigneur. Demande-toi souvent s'il est satisfait de toi, ou si au contraire il est en colère contre toi. Et souviens-toi de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a cité à ce jeune homme, à ce jeune compagnon, « Ya Roulam, ô jeune homme, inni u'allimuka kalimat, laisse-moi t'apprendre des paroles. Ihfadillah, yahfadka. Prends soin d'Allah, et Allah prendra soin de toi. Ihfadillah, tajiduhu tujahak. Si tu prends soin d'Allah, tu le trouveras avec toi quand tu auras besoin de lui. Tu le trouveras devant toi. Idha sa'alta fas'alillah. Et lorsque tu demandes, demande à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Al hadith. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. Et un dernier conseil que je terminerai, et je terminerai par ce hadith-là, et mes frères, mes sœurs, toutes ces paroles-là, je les fais passer pour moi-même et pour nous tous. Et je me remets en question moi-même. Mais le dernier conseil qu'on peut se donner, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Un hadith rapporté d'Abu Huraira dans Sahih al-Tirmidhi. Et donc le prophète, il a dit quoi? Il a dit le meilleur des croyants, le plus complet des croyants, avec une foi, en foi, le meilleur croyant en foi élevé, c'est quoi? C'est celui qui a un meilleur comportement. C'est celui qui a le meilleur comportement. Ça, c'est très important, hein, mes frères. Husnul khuluq, c'est hyper important. Le bon comportement, c'est très très important. Et donc, il a terminé cette phrase-là par une phrase aussi importante. Wa khiyarukum khiyarukum nisa'ihim. Et le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses femmes. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers ses épouses. Les nisa'im au pluriel. Donc, voilà, j'espère que c'était pas long. Je demande à Allah Azzawajal qui nous permette de faire partie de ces ibad mukhlissin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma, fais de nous tes partisans, fais de nous tes alliés, et ne fais pas de nous les ennemis d'Allah, ne fais pas de nous tes ennemis, ya Rabbal Alamin. Allahumma, fasse qu'on puisse faire partie du parti d'Allah, de ton parti, et non pas du parti d'Iblis, ya Rabbal Alamin. Allahumma, ahfadna min al-dalal, ya Rabbal Alamin. Allahumma, protège-nous de l'égarement, ya Rabbal Alamin. Allahumma, hadina ila siratik al-mustaqim. Allahumma, guide-nous vers ton droit chemin. Warzuqna al-ikhlas, ya Rabbal Alamin. Et donne-nous la sincérité, ya Rabbal Alamin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم الأعمال المخطئة والسيئة وأن يغفر لنا يعني ذنوبنا ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا في هذا اليوم يجمعنا في الجنة بإذن الله. Je demande à Allah qui nous
rassemble ici comme il nous a rassemblé, qui nous rassemble au paradis comme il nous a rassemblé ici aujourd'hui. Amen. Barakallahu fikoum. أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قال